Alors, je vais vous faire une présentation de mon casque qui est fortement inspiré d'un casque d'Hamilton au Grand Prix de Monaco il y a quelques années. Et j'adorais ce design et on peut distinguer un peu une petite différence. J'ai un rouge un peu plus bordeaux, un peu pailleté. Je garde généralement la visière sombre pour éviter tout éblouissement du soleil, même si c'est la nuit, parce que la nuit avec les voitures fermées on peut rouler avec la visière ouverte. Là on peut distinguer le numéro fétiche chez nous, qui est le numéro 17, qui est aussi représenté sur la voiture, donc on a un peu de chance de l'avoir. Là pour tout ce qui est présentation un peu équipement, on a la radio qu'on branche directement dans la voiture avec le tuyau d'eau qui vient directement à travers le casque. Là on a le système ANTS, vraiment pour la sécurité, pour éviter tout coup du lapin. Donc là on met les ceintures par dessus, on serre et en cas d'accident ça retient la tête derrière. Donc là pour ça c'est super. Alors autre petite nouveauté sur le système ANTS qui a été travaillé en interne. Déjà on va remercier Aurélien qui est un néo-mécano qui cherche une solution pour optimiser en fait le problème qu'on avait à la base avec cet équipement là. C'est qu'on doit glisser forcément la ceinture dessus. Et la ceinture partait de l'autre côté, donc en termes de sécurité, on n'était pas vraiment au top. Là, notre mécano Aurélien a travaillé sur cette petite pièce en carbone qu'il a collée. Donc là, c'est un travail plutôt, on va dire, fait main, mais très propre. Là, ça nous permet de mettre la ceinture assez rapidement, c'est pas se poser de questions. Donc là, c'est facilement 2 secondes de gagner au changement de pilote. Donc en termes de sécurité, on est mieux et en termes de rapidité au changement de pilote, on est pas mal. Après aussi, petit rappel du trimaran IDEC pour montrer un peu qu'on est solidaire chez IDEXport. Donc c'est plutôt sympa et c'est un petit signe pour Francis Joyon et Alex Pléa qui est passé mercredi. Donc voilà, on vous représente derrière les gars.